tous, alors aujourd'hui on va apprendre à faire un tour de magie pour épater ses amis et sa famille. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire choisir une carte, donc n'importe laquelle. Par exemple, la dame de carreau. Ok. On la met sur le jeu et on coupe pour bien la perdre. Donc on peut même couper comme ceci. Bon là c'est votre carte. Recouper, pardon. C'était pas volontaire. Et on peut même recouper comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a bien perdu votre carte dans le jeu, puisque ce n'est pas cette carte, on va représenter en fait les 52 cartes. Ce paquet représente 52 étages. Et votre carte, là, je sais qu'elle est en 48e position. Mais alors si je fais ça, elle remonte. Elle est en 21e position. Si je le refais, elle passe en 17e position. Je le refais. 13e position. Encore. 10e position. Allez, on va essayer de la faire remonter. Encore. Toujours à la 10e position. Encore. Ah, toujours à la 10e position. Je crois qu'elle est bloquée. On va aller voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'était bien votre carte. Donc voilà, un tour simple que l'on va apprendre. Alors, avec une petite préparation avant la réalisation, c'est ce montage. Voilà, je vais vous montrer. Vous prenez une famille, alors moi j'ai pris les piques, et vous les mettez dans l'ordre. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Vous prenez donc ces 13 cartes, l'As représentant la carte 1, la, le 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le Valet le 11, la Dame le 12 et le Roi le 13. Toutes ces cartes, vous les mettez sous le paquet, ce qui fait qu'on a nos 13 cartes. Maintenant, on fait choisir une carte au spectateur, par exemple 5 de carreau, on la met sur le jeu et on coupe. Automatiquement, elle va être après l'As de pique. Si on regarde, donc le 5 de carreau est là, si on part de l'As de pique, elle est en, c'est la première carte, l'As de pique de, du 2, la deuxième, du 3, la troisième, du 4, la quatrième, 5, 5e, etc., etc. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, et on dit, on peut même couper face visible pour prouver au spectateur qu'on perd bien la carte. Et donc là, on va couper jusqu'à tomber sur la famille qu'on a classée. Donc moi j'ai classé les piques, donc j'attends de tomber sur un pique. Voilà, là je tombe sur une dame de pique. Donc j'évite de faire sur des 3 ou des 2 parce que ça fait la carte elle est vraiment trop au-dessus. Mais la dame là c'est 12e position. Alors je retourne, je dis voilà, bien coupé. Je sais que c'est la 12e carte. Enfin, la carte du spectateur c'est la 12e carte en partant d'ici. Puisqu'ici on a une dame. Et donc on invente un peu, on dit que c'est un ascenseur. Qu'en riflant les cartes on peut la faire remonter. Donc on la met dans n'importe quelle position. Et quand on veut on dit qu'elle est en 12e position. Et on peut dire, ah, elle est bloquée. Donc là, on va la chercher. Et si on montre le montage, donc il ne faut pas le faire, mais là, je le montre pour l'explication. Il y a toutes les cartes qui défilent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La carte du spectateur. Donc, je réexplique rapidement. On met la famille, des, par exemple, des piques dans l'ordre, de l'As au roi. On fait choisir une carte. De carreau, on la met sur le jeu, on coupe et on coupe dans l'autre sens jusqu'à tomber sur du pique. Donc là par exemple bah, c'est le 2 de pique, donc évitez de montrer quand même le montage. Donc 2 de pique, moi j'aime bien recouper pour tomber au moins sur le 5. Donc voilà, là le 7. 7 de pique, on retourne. 7 de pique, on sait que c'est cette carte, on dit que la carte est en 50e position, qu'elle remonte, que là elle est bloquée en 7e. 1. Donc on va, bon, on va pas montrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh là j'ai oublié les cartes, 9, 8, 7, voilà c'est ici, excusez-moi, donc toujours avec ce montage. Voilà, donc vous les mettez bien dans l'ordre. Et avec l'As à la face du jeu, pas le roi, l'As, puisque l'As c'est une carte, 2, 3, etc. Donc voilà, amusez-vous bien avec ce tour, épatez vos amis
et à bientôt sur Clipflip.